この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Ridge Racer sur PSP. Un des premiers jeux sortis d'ailleurs sur la console de Sony. On la voit marqué en 2004, édité par Namco évidemment. Alors, on va faire une nouvelle partie histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va créer un profil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un nom pré-rempli, mais on va pas garder ça. On va faire Xevious. Je sais pas pourquoi il y a Xevious d'ailleurs. On va mettre du coup le nom. Voilà, on va pas s'embêter. Et on va faire start. Validez vos sélections. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que le clavier, on peut aussi le mettre en russe, si on veut, et en japonais. Donc on va faire oui. Et on va écraser les données de la mémoire stick. Activer la sauvegarde auto. Oui, non, en fait, non. Et donc c'est parti, on a un joli menu, un petit peu différent des Ridge Racer, parce que là on a un menu un petit peu en cascade horizontale, enfin verticale pardon. On va directement aller voir les options disponibles. Et vous vous rendez compte déjà dès le début qu'on a quelqu'un qui nous parle en français. C'est assez bizarre. Je vais baisser un petit peu parce que je trouve cette voix un peu désagréable parce qu'elle est un petit peu robotique. Même si c'est logique puisque c'est censé être une machine qui nous parle. On peut changer le menu de la musique et des effets, on va faire OK. Ensuite donc on peut changer le nom, salle du multimédia, donc on peut regarder les ralentis. Donc le jeu gère les ralentis, ça c'est cool. Les mini-jeux. Donc si on va dessus, on peut changer les paramètres. Alors apparemment il faut peut-être les débloquer. Jouer au mini-jeu, on peut faire OK ou annuler. Donc là paramètre en fait c'est pour ne pas l'avoir. Donc là je vais le retirer. Mais évidemment c'est une inspiration du premier Ridge Racer. Bien que le premier Ridge Racer ce soit un autre jeu. C'était un jeu de casse, enfin un peu comme Arkanoid. Donc voilà, donc on va faire retour.
On va avoir les options de la manette avec les contrôles sur la PSP. Du coup, on peut changer la vue, avoir de la nitro, ce qui est pour moi une nouveauté par rapport à. Enfin, en tout cas, à Factor, n'importe quoi, avec un Ridge Racer de base. Et je vais prendre la configuration qui paraît la plus logique, c'est-à-dire celle-là. Le fait de changer les vitesses avec les gâchettes, ça a toujours été pour moi le plus logique. Donc, on a un bouton nitro, accélérer, freiner, changer de vue, et puis c'est tout. Et voilà, on a fait le tour des options. On va du coup passer. Sauvegarde, chargement, non. Bataille sans fil, et oui, parce qu'on pouvait jouer avec la PSP en mode ad hoc. Donc, on pouvait jouer. Je sais pas par contre s'il fallait un jeu où chacun ait son propre jeu sur la console. Il y avait certains jeux sur la PSP où un seul jeu suffisait. Mais je suis là, je ne sais pas. Mais bon, en gros, on pouvait faire du multi en local avec deux PSP, ça c'était pas mal. On contrôle la montre, un mode course simple, un mode coupe, qui sera évidemment le cœur du jeu. Et un mode course simple. Je vais vous montrer le mode contrôle la montre. Et vous vous rendez compte que c'est des circuits qui existaient dans les anciennes versions, notamment ici celle de Ridge Racer. Et celle de Ridge Racer 5, on le voit derrière, hein, derrière le circuit. Alors, j'ai pas tout débloqué évidemment, c'est le début. On a que quelques circuits disponibles, mais il y en a pas mal. On a le Sunset Drive qui était sur Ridge Racer Revolution. On a le circuit Overpass City qui était dans Ridge Racer. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on voit le test directement après. Parce que ça nous permettra de comparer. On a aussi le Crimson Rock Pass de Ridge Racer Type 4. Celui de. Rave Racer? J'ai jamais joué à celui-là, bon, faudra qu'on le teste un jour. Et on a le Green Park Island. Bah écoutez, on va peut-être prendre. J'ai essayé d'entreprendre celui du Ridge Racer Type 4, celui du Rage Racer. On va prendre Rage Racer. Donc là, on a plusieurs classes de véhicules, sachant qu'évidemment, les classes les plus hautes sont les plus puissantes. On va commencer avec une classe. On peut voir en plus un peu les formes. Voilà, c'est une classe standard, donc ça me permet de familiariser avec le mode. On a les machines plus performantes au-dessus, puis voilà, pour la course. Ensuite, c'est des machines de classe A modifiées pour la course, et les deux modifiées pour la course, et les trois modifiées pour la course. Donc on va faire la première. Et vous pouvez voir qu'on a quelques voitures à débloquer. Pour le moment, on en a trois qui sont débloquées. C'est là donc la Skyfit Fiera, donc c'est évidemment des noms inventés. Je sais pas si on peut changer la couleur par contre, oui j'ai l'impression que oui, select, regarde, on peut changer. On voit le nombre de couleurs disponibles d'ailleurs, on en a 25. Ouh ça là c'est marrant, vous avez pensé à la GTO Puma de Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2. Ouais celle-là, voilà. Bon on a aussi celle-là, voilà. Vitesse maxi de 119 km/h, elles font toutes la même hein, pour le moment. Et du coup, bah, on va prendre... Écoutez, je vais prendre celle-là, vous aurez compris pourquoi. Elle a aucune caractéristique particulière, mais un point d'équipe permettant de déraper facilement, donc on va commencer avec celle-ci. Et on va prendre en automatique pour le moment. Évidemment, le jeu est mieux quand on est en manuel. Je vais m'arrêter 30 secondes sur la musique. Le style est un petit peu différent, enfin pour certaines musiques, mais je les trouve géniales. Franchement, première écoute, pour moi j'ai adhéré direct. Il y en a qui vont dire, bon, c'est de la techno, je trouve que ça va hyper bien avec ce style de jeu. Et pour parler des graphismes, on est sur PSP. Les voitures sont correctement modélisées. On peut même voir l'intérieur hein, si vous êtes. Si vous regardez bien, on peut voir les sièges auto, etc. Et on peut changer la musique. Je vais garder celle-là. Et on va changer donc le circuit de Rage Racer. Alors, j'ai plusieurs musiques, vous voyez, je peux choisir avec les touches haut et bas sur les solos. Et j'ai changé, mais j'ai fait trop vite. Bon, c'est pas grave. Et on va démarrer notre... 3, 2, 1, 2. Allez, c'est parti. Alors, par contre, une fois que j'ai validé la musique, je ne peux plus la changer, j'ai l'impression. Si je fais par exemple Start, vous voyez, je ne peux pas revenir en arrière pour changer. Donc on aura cette musique, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et donc on a deux vues. On a une vue intérieure, qui est évidemment celle qui va nous offrir le plus de sensations, et la deuxième voilà qu'on a extérieur avec toujours le même maniement. Le maniement n'a pas vraiment bougé. En gros, si vous appuyez sur carré, vous avez tendance à la faire partir beaucoup plus vite en dérapage. Si vous n'appuyez sur rien, vous relâchez l'accélérateur, elle va commencer à glisser et on va rentrer dans le virage. Donc là, pour ceux qui ont vu la vidéo de Rage Racer il y a quelques temps,
Et bien vous allez voir que le circuit est en tout point fidèle avec la version originale. Évidemment en plus jolie, texture refaite. Alors on peut voir le temps d'avance, temps de retard par rapport au meilleur chrono. Si je fais Select, je peux masquer le HUD, donc je peux masquer les informations à l'écran. Et du coup, on va passer dans le tunnel, voilà. Et vraiment, il y a une grande descente, si je me souviens, dans ce circuit. C'est un circuit qui est assez fun, mine de rien. Il est vachement technique. Et là, je prends dérapage. Là, pareil, je me remets en dérapage, j'accélère, je tapote un petit peu. Et je m'élance. Le maniement est vraiment, vraiment très bon. Très très bon. Notez aussi la fluidité du jeu, qui est quand même très très bonne hein, pour PSP. Je souris pour une PSP. Que la PSP c'est un petit peu un mix entre une c'est une PS2 avec un petit peu moins de patates quoi, c'est un petit peu entre les deux. Même si en fréquence pure la PSP pouvait monter assez haut aussi, hein, pouvait l'overclocker. Bon, c'est pas ça qui allait rendre les jeux plus jolis, mais des fois ça permettait d'augmenter un tout petit peu la fluidité dans certains jeux. Et aussi, si vous vous souvenez dans Ridge Racer, je galérais à prendre le dernier virage. Et on va voir ici si c'est la même chose. Alors on va ralentir, on la prend et ça passe. Ouais, c'est un peu plus simple à passer, en tout cas avec cette voiture. Donc voilà. On a fait un tour, on a la nitro, je vais vous montrer, j'appuie sur rond. Et là, vous voyez, j'ai une barre de nitro qui va aller, je vais prendre ça en ligne droite, voilà. Et du coup, je vais beaucoup plus vite. Avec évidemment le classique effet de blur de l'époque. Voilà, je me mets dans le virage, je me case avec le dérapage. C'est assez fluide, c'est assez bien, c'est plutôt parfait en termes de maniement, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. On va passer maintenant en mode course simple, histoire de faire une petite course, et puis après je vous montrerai le mode course coupe. Le mode coupe. L'occasion pour nous de changer de circuit, on va prendre justement, on va passer en mode coupe, on va faire le circuit de Ridge Racer type 4, voilà. Crimson Rock Pass. Alors j'aurais peut-être préféré un autre circuit, mais bon, on voit quand même comparer, je pense. On va faire OK. On va prendre une classe 2, mais on n'a rien débloqué, donc pour le moment, je ne vais pas vous les montrer. Donc on va changer de voiture, on va prendre par exemple la Good Luck Bayonet Type S, la RT Luck Bayonet Type S. Là, qui vont comprendre la référence. On va voir les couleurs, on a un petit peu rose-rouge, là on a du violet. Il y a quand même pas mal de couleurs disponibles, mine de rien, 25 couleurs à chaque fois, c'est... Il y a le choix quoi, on va la prendre en noir, tiens. On va rester en automatique. Alors je sais pas si le jeu est pas un petit peu fort, donc du coup dans le doute je vais baisser un tout petit peu, je suis désolé, je vais mettre à 4. Et on va faire OK. Préparez-vous pour la course, voilà, donc c'est parti. Light Groove, Disco Ball, Vanishing Horizon... Bon, je vais laisser Night Dream. Vous avez vu, on a disque bleu. Si on faisait gauche-droite, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai l'impression que la soundtrack a l'air assez fournie. Regardez cet effet de lumière, effet de coucher de soleil magnifique. Franchement, c'est super bien fait. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré au niveau de la saturation des couleurs, mais c'est assez convaincant. Et on part du coup 12ème, voilà. Avec toujours notre nitro disponible. Donc, c'est parti. Voilà, je vais ralentir un petit peu, voilà, pour prendre en dérapage le virage. Alors c'est des voitures qui évidemment manquent beaucoup de patates. Hein. En ligne droite, regardez, en montée, elles galèrent copieusement. Et on voit où est le leader, on voit le point rouge sur l'écran du circuit. On a même droit à un petit hélicoptère. Et ça c'est vraiment un des jeux qui a commencé à... Enfin qui a... Quand j'ai commencé c'est parti des premiers, mais qui ont quand même montré que la PSP était capable de faire des choses vraiment très très belles. Il faut se souvenir qu'à l'époque la seule concurrence c'était la Nintendo DS. Et la Nintendo DS était beaucoup moins puissante, certes elle avait deux écrans... Enfin, la Nintendo DS se démarquait surtout dans sa manière dont on jouait aux jeux vidéo. C'était pas forcément en termes de graphisme. Donc on peut pas vraiment dire l'une était mieux que l'autre à ce niveau là, mais c'est juste qu'elles étaient différentes. Et franchement, la PSP quand même à l'époque, il faut se dire aussi que là,
Là, on joue en plus sur un écran qui est pas très grand. À l'époque, la résolution de la PSP était pas en plus super élevée. C'était pas de la HD, hein. C'était, je crois que c'était un peu en dessous. Et du coup, bah, c'était super beau, quoi. Super convaincant. Enfin, je sais pas qui c'est qui a eu le jeu à l'époque. Même chance, beaucoup ont dû avoir ce jeu sur la PSP à l'époque. Mais c'est très très joli. Enfin, il y a quand même l'effet de pixelisation, par contre, qui est très prononcé comme la PS2. C'est-à-dire que vous avez l'anticrayonnage qui marche pas. Hein. Enfin, il n'y a pas d'anticrayonnage concrètement. Du coup, les pixels, vous les voyez vraiment. Là, ça sera peut-être un petit peu masqué par la capture et par la compression YouTube. Mais même avec ça, quand même, à l'époque, sur PSP, on avait des jeux qui étaient quand même très très jolis. Et je le redis, pour avoir sorti des GTA dessus par exemple, ou même des Gran Turismo, un Gran Turismo, c'est que la console en avait quand même dans le ventre. Bon, là pour l'instant ça se passe bien. Bon, c'est une course de niveau 1, hein, donc difficulté pas non plus ultra chargée. On est déjà troisième. En train de rattraper les concurrents au fur et à mesure. Donc vous l'avez compris, pour ceux qui connaissent pas Ridge Racer, bah, on partira toujours dernier. Ah. En tout cas, j'avais promis, je crois, et on va devoir rattraper les pilotes au fur et à mesure. Donc, c'est un peu un contre-la-montre finalement, parce que vous pouvez voir que les IA en fait nous remontent jamais, elles vont rester tout le temps à leur position, sauf que on va remonter en faisant des temps un peu meilleurs qu'eux, on va les dépasser au fur et à mesure. C'est un petit peu le principe d'un Sega Rally en fait, hein. Sauf qu'on est en mode voiture de sport sur des routes classiques. Voilà, j'ai pas encore utilisé ma Nitro, je vais attendre. Écoutez, je crois qu'on a 3 tours à faire, donc on va en profiter pour faire ça dans le dernier tour. Je vais essayer d'utiliser mes 3 Nitro à la fin. Parce que peut-être qu'il y a 3 niveaux de Nitro aussi, hein. Peut-être que la Nitro jaune, elle est moins puissante que la Nitro orange, et que la Nitro orange est moins performante que la Nitro rouge. Ça sera quelque chose à tester. Là, on a fait 2 tours, il me semble. Enfin, on va faire 2 tours bientôt. Du coup, on va pouvoir... Là, je vais freiner. Hop là, on va prendre le virage. C'est quand même le truc le plus jouissif dans les Ridge Racer, évidemment, c'est les dérapages. Hein. C'est là où tout se joue. C'est les trajectoires en dérapage, le fait d'anticiper les virages évidemment avant pour prendre l'intérieur, ressortir bien comme il faut pour le prochain virage. Pour l'instant, on s'en sort très bien, il n'y a pas de soucis. Mais évidemment, avec une voiture lente, c'est plus rapide d'anticiper. C'est plus facile d'anticiper. Alors qu'avec une voiture beaucoup plus rapide qu'on aura ensuite dans le jeu, eh ben là, il va falloir avoir de bons réflexes pour arriver à la suite. Elle va à 219 normalement, hein, elle disait la voiture. Bah voilà, on est quasiment au taquet. Donc là on a fini le deuxième tour, je vais mettre un peu de nitro. Et finalement ça utilise que 1 sur 3, donc il n'y a pas de différence. Voilà, passer en dérapage, voilà, j'ai juste relâché l'accélérateur. On s'est bien inscrit dans le virage, et vous voyez qu'elle se... J'ai l'impression qu'elle se recharge. Quand même, un petit peu. Ouais, et quand je prends un forchef à dérapage, on a le compteur, vous regardez la barre de nitro tout à gauche, la jaune. Quand je vais rentrer en dérapage, alors peut-être pas ici, elle va commencer à remonter. Ce qui fait que finalement je peux avoir plus que 3 nitro si je veux, si je gère bien les dérapages. On va essayer ici, vous allez voir. Je vais freiner. Et oui, la barre, elle augmente. Et je peux en attendant, si je veux, utiliser une autre barre. Hein. Je ne vais pas oublier d'utiliser la jaune. On va lancer la nitro au niveau orange. Voilà, ça là est vide. Et pour la re-remplir, évidemment, je vais devoir d'abord remplir la jaune pour pouvoir remplir la rouge, etc. Donc là, on va essayer la rouge, hein, sur la fin, évidemment. Ça va être l'idée. Là, je vais essayer de mettre un peu de nitro. Oh là là, là je suis vraiment passé à l'équerre. Et vous voyez, j'ai la rouge qui est toujours disponible. C'est-à-dire qu'en fait, même si la jaune est remplie, je suis obligé d'utiliser la rouge. Allez, on part en dérapage ici. Olé. Attention. Alors le plus dur des fois, c'est de sortir du dérapage sans forcément trop partir d'un côté ou d'un autre. Allez, on va l'utiliser maintenant, c'est parti. J'ai l'impression que la troisième était peut-être un peu plus rapide, enfin un peu plus puissante. Je sais pas, c'est peut-être un effet, hein, peut-être que c'est vraiment pas le cas. On pourrait comparer avec la jaune maintenant. Vous voyez, la jaune, elle a pas très très puissante. Et on a donc remporté la course. On est arrivé. Il y a quelques effets d'explosion de pot d'échappement aussi. Hein. Je n'ai pas parlé tout à l'heure.
Et là, du coup, on peut voir le ralenti. Alors, je vous montre un petit peu. Bon, bah, c'est un ralenti, hein. Concrètement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir revisionner sa course. Surtout que les ralentis de régresseurs ont toujours tendance à être assez spectaculaires. Alors, peut-être pas avec les voitures du début du jeu, vu la lenteur, mais. Mais en général, c'est plutôt bien fait. Je sais pas si vous rajoutez des effets, ouais, il y a un effet un petit peu vignette, vous en rendez compte, avec les bords un petit peu noirs sur les côtés. Mais là, ça manque un petit peu de dynamisme pour le moment avec ces voitures. On va faire quitter. Voilà, donc j'ai mis une petite statistique en bas avec le tour, le troisième tour qui est le plus rapide. Alors évidemment, c'est logique puisque déjà je me suis habitué au circuit. Et en plus de ça, la nitro, je l'ai eu vers la fin. Donc j'ai pu aller encore plus vite. On voit le décalage quand même, il y a 10 secondes d'écart entre le premier et le dernier. Donc là, je peux réessayer la course. Je peux faire sauvegarder les ralentis. Je peux revenir à l'écran de sélection pour les circuits ou faire le menu principal. Je vous propose de faire le mode tournoi, donc ce qui va nous permettre de débloquer des voitures, etc. et de rentrer de plein pied dans le jeu. Donc on va faire le mode coupe. Suivante, vous devez terminer chaque course à une certaine place. Quand vous terminez toutes les manches, vous remportez la coupe. En remportant les coupes, vous recevrez des récompenses comme de nouvelles voitures ou de nouveaux circuits, élargissant ainsi les possibilités de Ridge Racer. Il est aussi possible de créer une coupe personnalisée, ce qui est idéal si vous voulez terminer une série en temps limité. Bienvenue dans le monde de Ridge Racer. C'est un peu bloqué sur la fin. Donc vous aurez compris, ce Ridge Racer est quand même en fait une compilation des anciens Ridge Racer. Il y a peut-être des choses nouvelles, mais pour l'instant je ne les ai pas forcément vues. Mais voilà, c'est un petit peu le délire de cette première version PSP. Il y a eu un Ridge Racer 2 hein, sur PSP, qu'on testera sûrement un jour. Donc là pour l'instant je suis dans un menu, je n'ai rien fait, mais bon si j'appuie sur Entrée, voilà, ça va passer. Donc j'ai conduit une distance totale de 0 km, votre rapport de progression est mis à jour, bonne chance. Ok. Alors voilà ce qu'on a dans ce mode, donc on a l'introduction qu'on vient de voir ici. On peut voir les récompenses, on peut faire notre coupe, alors ça c'est pas mal, on peut créer une coupe personnalisée. Donc ça c'est original, on peut faire le choix de la coupe. Et donc on est pour le moment qu'en coupe débutant puisqu'on n'a pas encore débloqué la suite. Donc on va faire coupe débutant. Donc la compétition commence par une série de 3 manches en classe 1. Voyager dans le temps et retrouver les courses Ridge Racer d'origine. Remporter la coupe pour débloquer l'abeille type S. Voilà, donc on va pouvoir débloquer une voiture. Donc pour l'instant je vais prendre ça. Parce que j'ai le choix quand c'est que cette course qui est disponible. On regardera tout ça comme manche. Je vais prendre la première. Ensuite, on peut changer le circuit, mais on n'a que celui-là qui est disponible. Et on va prendre du coup le Seaside Route 765. Et on va prendre une autre voiture, laquelle j'ai pas pris. Je crois que c'est la deuxième que j'avais pas prise, donc on va la prendre. Je vais changer la couleur, je me suis trompé. Je vais changer la couleur. Voilà, on va mettre un petit peu de... Quelle couleur on pourrait prendre? Un peu de rouge, tiens, pour une fois. Ou du jaune, ouais, ça aurait été pas mal. Mince, je suis allé trop vite. Attends, on va revenir. Ouais, j'avais vu du rouge ou du jaune, ça pourrait être pas mal. On va prendre du jaune. C'est parti. Et les musiques, moi j'adore. Bon, après voilà, ça restera des goûts, mais je trouve génial. J'ai limite envie d'arrêter la vidéo pour aller chercher la soundtrack. Alors vous l'entendez peut-être pas forcément, mais il dit démarrez vos moteurs, préparez-vous. On est au bord de plage. Donc ça c'est sûrement un des circuits du... Ouh, ça me parle ce circuit. Et vous remarquerez que le compte tour a changé. Ouh, attendez, ça c'est le premier circuit de Ridge Racer. Voilà, je l'ai reconnu avec la tour. Évidemment, le tunnel mythique de Ridge Racer, le premier. Du coup, vous aurez moyen de comparer, évidemment, si vous avez joué à la première version. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, ça commence bien. Aïe, aïe, on tape un peu tout. Alors autant les autres circuits je m'en souvenais un petit peu,
Autant celui-là, je m'en souviens pas. Bon, l'avantage, c'est qu'on a le circuit sur le côté qui nous permet d'anticiper. Ça, c'est bien vu. Je trouve que le HUD, donc l'affichage à l'écran, contient toutes les informations dont on a besoin. Et vraiment, c'est très très lisible. Faut se souvenir que, comme sur les consoles portables, en général, tout ce qui est petits détails, c'est des choses qu'on a du mal à voir. Et là, bah, c'est parfait, quoi. On voit vraiment ce qu'il faut voir. Là, je sais que je vais avoir une ligne droite par exemple ici, voilà. Alors évidemment, même si elles font leur course un peu à part, elles peuvent nous gêner, voilà, ça reste quand même des voitures matérialisées physiquement, donc en gros on peut les taper, il y a des collisions. Et pour le coup, bah, si on fait pas trop gaffe, bon, on va perdre du temps derrière elles puisqu'elles vont nous bloquer. Donc là j'ai une barre de nitro qui est débloquée, pour l'instant je ne peux pas utiliser. Oh, regarde, on a un petit effet d'étincelle quand la voiture retombait sur le sol, c'est pas mal. Et regarde, il utilise la nitro lui. Ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à la rattraper. Et regardez le contour qui change de couleur, qui s'illumine, comme en vrai. Quand on arrive dans le tunnel, ça c'est un détail graphique. Bah, c'est un joli détail graphique quoi, enfin c'est toujours... Ils y ont pensé, voilà. On peut pas dire le contraire, ils y ont pensé. Alors je vais essayer de passer le leader voilà, dans le virage. Alors lui il est en dérapage, moi je suis pas en dérapage. J'aurais peut-être dû. J'aurais dû utiliser la nitro pour le dépasser peut-être. On va voir si on a une autre opportunité pour le dépasser. Pour le moment, on l'a pas. Donc on va essayer ici. Allez voilà, je l'ai poussé. Du coup il reste devant. Il y a souvent aussi les bonnes trajectoires. Hein, donc pour les dépasser. Allez, on va utiliser un peu de nitro pour revenir sur lui. Et on est passé à l'intérieur, c'est incroyable, et voilà. On est passé, on est en tête de course. Donc là j'ai débloqué la nitro en niveau moyen, enfin en tout cas la deuxième barre de nitro. Et je vous laisse profiter un petit peu du son du jeu. Autre chose que vous pouvez remarquer, c'est un détail graphique qui est assez léger, mais qui existe bien et bien, c'est que comment dire, les reflets sur la voiture sont, en tout cas certains des reflets de la voiture sont en temps réel, c'est-à-dire que vous remarquerez que ça reflète exactement ce qu'il y a autour de la voiture. Et ça à l'époque c'était quand même quelque chose qui était encore assez rare, ça commençait à se faire un peu partout, mais c'était pas encore tous les jeux, alors qu'on a gagné la course. Et ça c'est un détail graphique qui est quand même assez intéressant. Surtout qu'ils auraient pu omettre ça, hein. Concrètement, ça aurait pas été trop, trop gênant. Mais ils l'ont quand même fait. Alors là j'ai mis un disque classique, j'ai pas eu le temps de changer. J'ai pris une deuxième musique du disque classique. Donc en fait on peut avoir les remixes des musiques de Ridge Racer. On peut avoir les musiques originales aussi. Et ça c'est super, parce que si vous aimez justement les fameuses soundtracks dont je parle, eh bien, vous allez pouvoir les réécouter. Alors c'est quand même fort, hein, parce que je vous rappelle qu'un disque UMD, bon certes ça permet d'avoir quand même plus de la taille d'un CD, hein, ça va, on est au giga. Je sais pas quelle taille on peut avoir maximum sur un disque UMD, mais on a au moins l'équivalent des disques GD-ROM qu'on avait sur la Dreamcast, c'est-à-dire qu'on tape au-delà du giga. Donc en termes de musique, ils ont moyen, s'ils compressent un petit peu, de mettre pas mal de sons. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Je pense que ça doit prendre pas mal de place. Et ben là, on revient sur un circuit du coup qu'on a déjà fait. Du coup, on devrait en sortir pas mal.
Donc là j'ai pris une musique d'un ancien Ridge Racer. Donc je sais pas lequel c'est par contre. C'était peut-être celui du 1 ou Ridge Racer ou je sais pas. Donc je vais vous laisser écouter un petit peu évidemment. Je vais me taire un petit peu. Et on va continuer la course. Et voilà, on a fini donc du coup un premier tour, on est déjà premier. Ça se passe plutôt bien. Bon évidemment voilà le circuit une fois qu'on le connaît par cœur, on est beaucoup plus efficace hein, donc du coup on va beaucoup plus vite. Un petit coup nitro en montée ça peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'elle galère beaucoup dans les montées cette voiture. Et du coup on récupère pas mal d'avance. Alors que finalement vous allez me dire que reprocher à ce jeu. Bah écoutez, franchement, c'est assez rare hein, dans les vidéos quand je teste un jeu, ou que je découvre un jeu, ou même que je fais un vrai test quand je connais bien le jeu. Je vous trouve pas de défaut en fait ce jeu pour le moment. Enfin pas de défaut. Pas de défaut rédhibitoire, hein, c'est-à-dire pas un défaut qui va vous gâcher le plaisir ou qui va vous dire ouais non c'est pas mal mais machin. Non non, franchement, on part du premier Ridge Racer sur PSP, le jeu est ultra jouable. Le son est bon, les graphismes sont très très bons aussi, le contenu a l'air quand même pas mal. Vous avez vu le nombre de voitures à débloquer quand même. Alors peut-être si. Ce qu'on pourrait peut-être regretter, mais ça c'est ce que je vais vous dire, mais peut-être qu'il peut être faux puisque je n'ai pas découvert la suite du mode carrière. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a perdu un petit peu le mode histoire qu'on avait par exemple dans le Ridge Racer Team 4, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir une équipe, faire évoluer la voiture, etc. Ça on l'a un peu perdu j'ai l'impression. Mais c'est pas super grave. Honnêtement c'est pas trop grave, c'est pas ça qui va vous gâcher le plaisir du jeu. Donc pour moi ce jeu est un très bon jeu, vous l'aurez compris. Ça vaut bien un bon 17-18 parce que le plan technique est bon, le plan de l'intérêt est bon aussi. C'est jouable, il y en a sur console portable et c'est bien fait. Voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ça reste mon ressenti, bien évidemment. Mais pour moi, ça reste un très très bon jeu. En plus, on va dire on n'a pas trop de clipping au loin. Je parle au niveau des graphismes. La fluidité, elle est nickel. Alors, effectivement, des fois, on sent qu'il y a des légers... Mais alors, c'est vraiment un film très léger ralentissement. Mais on le ressent presque pas. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment très faible. Donc voilà ce que je pourrais dire en tout cas après 33 minutes de vidéo. C'est intéressant évidemment de tester la version 2 du jeu. Il y a aussi d'autres Ridge Racer sortis, hein. C'est la version PS3, pas mal de Ridge Racer entre temps, enfin au même moment et ensuite. Après c'est une licence qui, comme j'ai dû l'expliquer dans d'autres vidéos sur le même thème, qui s'est un petit peu essoufflée d'une certaine manière parce qu'elle faisait souvent la sortie des consoles. Là typiquement je crois pas que Ridge Racer sur PlayStation 5 par exemple, hein, j'en ai pas entendu parler. Mais je sais que ça avait fait le buzz du coup sur Play 1, sur Play 2 aussi, avec Ridge Racer 5. Ça avait aussi fait d'une certaine manière le buzz de manière technique sur la PlayStation 1 avec le Tape 4. On a vu le Ridge Racer 7, je crois, sur PS3 à la sortie. Mais qui avait été considéré comme pas mal. Mais voilà, ça n'a révolutionné plus grand chose. C'est un type de jeu que les gens peuvent toujours adorer, parce que ça reste un jeu très fun. Mais maintenant, voilà, il faudrait peut-être apporter des choses en plus, quelque chose qui va lui donner une grande valeur. Et voilà, on finit sur un joli, sur une jolie Nitro. On va faire quitter
Et du coup, bah, je vous propose de faire la manche suivante. On va voir un petit peu les autres sons. Non, je veux pas le disque rouge, je veux le disque classique. Silver Stream. Ah, Naked Glue. Je veux celui-là. Je crois que c'est une musique de type 4. Alors, donc normalement, on devrait. Mais c'est pas celle dont je pensais. En fait, ce que je voulais vous mettre, c'était la musique d'un des premiers circuits du type 4. Mais cette musique est très bien aussi, bien entendu. Elles sont beaux, toutes, de toute façon, en général, très très bonnes. Normalement, c'était Pearl quelque chose, voilà. Je crois que ça va me revenir. Alors là, on est sur un circuit qu'on n'a pas fait avant, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est un circuit de Ridge Racer Révolution, si je comprends bien. J'ai peut-être pas eu le temps de lire, j'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est ça. Et d'ailleurs, ce que je trouvais bien dans la jaquette du Ridge Racer Révolution, qu'on fera hein, évidemment un jour sur PlayStation 1, c'est le côté couleur ultra chatoyante, vacances. Et je pense que c'est vraiment le circuit de ce jeu, parce que regardez-moi ça, on est dans les tropiques là. Hein, ça donne envie d'aller. C'est dommage, hein, on est encore en plein confinement comme d'habitude, mais ça donne envie quand même de sortir se balader, d'aller voir un petit peu la chaleur près des plages, etc. Même si je sais que dans ceux qui me suivent, on en a qui ont la chance hein, d'être au bord de la mer et qui savent ce que c'est. L'effet est convaincant, hein, l'effet d'étincelle derrière les voitures, je le trouve plutôt bien fait. Alors soit c'est un des premiers Ridge Racer, soit c'est Révolution. Je pêcherai entre les deux. Là je l'ai tapé, j'aurais pas dû. Et il a lui-même mis son nitro, sa nitro devant. Aïe, oula, j'avais pas fait attention au mur. La petite animation avec les petites voitures en bas pour donner l'écart, bon, c'est pas une grande utilité, hein, sincèrement. Ils ont fait un petit peu en mode rétro. Mais bon, c'est pas gênant non plus, hein, c'est juste que mon impression. Ah, on a le petit effet évidemment de lumière. De rémanence en fait de la lumière des voitures devant nous. Ça, c'est quelque chose que Ridge Racer a souvent utilisé. Et c'est un effet qui est, ma foi, toujours réussi hein, pour ce genre de jeu. Et on arrive sur la ligne d'arrivée, je crois. Ouais, voilà, ça c'est la ligne d'arrivée. Et pareil, je vais me taire, vous allez pouvoir écouter un petit peu la musique et le jeu. Alors une chose dont je n'ai pas parlé que j'ai omis, c'est qu'il n'y a pas de vue arrière. Si effectivement, je m'en rends compte, on ne peut pas voir derrière nous. Bon, on n'a pas vraiment le temps de regarder spécialement derrière nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et regardez, du coup, on a fini la coupe et on a non, attendez, qu'est-ce qu'il propose? Coupe terminée. Oui. Donc du coup, oui, on va revenir à l'écran de sélection.
Belle course. Préparation du rapport de progression en cours. Coupe 1, initiation terminée. La coupe débute en 2, l'heure de dérapage est maintenant disponible. Donc on a la 4, défi des dérapages. On va peut-être essayer ça. Déraplande est maintenant disponible. Et j'ai acquis une classe 2, la Felios Abbey type S. Et j'ai fait 44 km. Alors, on nous apporte la voiture dans un garage, depuis un camion. Et donc, une Felios Abbey type S, évidemment, des voitures qui n'existent pas en vrai. Alors, j'ai le choix de la coupe, coupe personnalisée, voilà tout ça. Ça n'a rien changé, on va faire choix de la coupe. On va prendre la coupe débutant. Par contre, regardez, on a, lors du dérapage, on a quoi? Défi des dérapages et déraplande. 3 manches, donc c'est encore une classe 2. Et la première, ça reste une classe 1. Donc je vais vous montrer la classe 2, histoire de voir un petit peu la différence de vitesse. Et on va faire OK. Et on va commencer sur le circuit de Midton Expressway. Voilà. On va évidemment prendre celle-là. On va changer la couleur, voir ce qu'il y a comme couleur disponible. Je sens que c'est toujours plus ou moins les mêmes couleurs, parce qu'on a toujours 25. Et on va la prendre en rouge. C'est marrant, l'arrière me fait penser à une Volvo V40 coupé, V40. On a un petit peu l'arrière. Ça me fait penser légèrement à ça. Et ben justement, regardez, on peut voir les musiques. Du coup, on va regarder le disque rouge, ce que c'est. On a le disque bleu. On a le disque de remix. On a le disque classique 1. Donc avec par exemple Grip, Euphoria, etc. On a le disque classique 2. Et le disque, le mode aléatoire. Voilà, donc là on aura à chaque fois une musique différente. Et donc on a quand même pas mal de musique. Donc on va faire OK. Ah, du coup on peut choisir. Bon, on peut prendre celui-là, je sais pas si ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'on peut pas avoir un aperçu de la musique qu'on va écouter. Alors il me demande si votre voiture est bien réglée. Et pour pouvoir du coup passer à la suite, il faut que je finisse troisième au minimum. Donc c'est parti, on démarre en descente sur un circuit de nuit cette fois-ci. Et donc c'est parti. Donc du type 2, donc on devrait aller un petit peu plus vite. Et c'est un circuit de Rave Racer. Ok. Oula, oui, donc effectivement, j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite. Bienvenue sur le Clubman Stage Route 5 de Gran Turismo. Non, évidemment, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser un petit peu. Donc, je rappelle qu'on est le point bleu hein, sur la carte en haut. Et le point rouge, c'est la position du leader. Et je sens déjà que ça va un peu plus vite. Oula, les sauts, par contre, à gérer, c'est compliqué. Surtout quand on est commencé à les prendre en dérapage. Allez, hop là, c'est parti, séance de dérapage en avance. Là, on a une longue courbe. Une longue courbe à droite. Alors, le dérapage, c'est bien, ça permet de prendre les courbes, mais évidemment, on a du mal à reprendre de la vitesse. Donc, il faut quand même arrêter le dérapage à un moment ou à un autre, sinon, ben, on perd trop de vitesse. Là, par exemple, j'ai fait n'importe quoi. On va avoir un gros virage. Hop là, bien pris. Et on dépasse la voiture devant nous. Voyez que le régime moteur monte aussi hein, quand on est en dérapage, suivant la boîte de vitesse. C'est là où le fait de jouer en manuel va vous permettre de vraiment optimiser votre régime moteur et du coup d'avoir les meilleures sorties de virage. Et en tout cas, les sorties de virage les plus rapides avec une bonne accélération. Oula, alors là, par contre, là j'ai fait n'importe quoi. Regardez-moi ça. J'utilise la nitro pour m'en sortir. Voilà, pour essayer de repasser devant. Alors vous l'aurez compris, on est toujours dans un thème assez futuriste hein, au niveau des villes. Et si vous avez des villes qui ressemblent à ça en vrai, va falloir causer un petit peu avec le maire, hein, parce que c'est quand même bizarre. Alors, on a le métro qui passe au-dessus. Quelques détails graphiques, voilà, qui montrent que l'environnement n'est pas forcément trop statique, qu'il se passe quand même des choses autour de nous.
Le circuit est fun, alors je pense qu'on aura des circuits qui seront plus durs à la fin. Je pense qu'avec des voitures très rapides de fin de jeu, ça va être aussi très compliqué à passer. Déjà, je le vois avec une voiture qui est pourtant que en classe 2, ça commence à être un petit peu plus léger, un peu plus compliqué. Après, j'ai découvert le circuit aussi en même temps, donc le temps de s'y habituer. Mais pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. En tout cas, difficulté à la progressive, et ça, c'est toujours bien dans un jeu, ne pas être pas commencer avec un mur dès le début et se décourager. Là, c'est progressif. Plus on va avancer, plus ça va être compliqué, mais plus on aura aussi de la bouteille pour pouvoir faire face aux difficultés avec l'expérience. Bon, cette courbe, je dérape pas parce que j'ai l'impression que ça sert à rien pour le moment. Mais je pense qu'avec des voitures plus rapides, il va falloir le faire. Et je vais me taire pour vous faire écouter la petite musique. On avait presque tapé les 300 km/h. Eh bien écoutez, je vous propose que nous arrêtions là. Je pense que je vous ai montré déjà de toute façon le principe du jeu, un peu quelques courses, etc. Les points faibles, les points forts du jeu. Voilà, donc on va finir sur un joli ralenti. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine dans quelques temps. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!